Le directeur d'un grand magasin de 900 salariés me disait cette semaine qu'il connaît le nom uniquement des salariés qui arrivent en retard. Je trouve ça intéressant, je me suis dit, bah oui, et qu'est-ce qui se passerait si c'était l'inverse? Si tu connaissais le nom de ceux qui arrivent à l'heure? Et si tu disais bonjour le matin avec le prénom de chacun de ceux qui arrivent à l'heure? De 0 à 10, dans quelle mesure connaissez-vous le nom des gens avec qui vous travaillez? Et en particulier dans cet environnement du retail, où 15% de la population active travaille, et parfois une proportion qui n'est pas forcément la plus considérée. Savez-vous mettre les gens en valeur? Par exemple, en connaissant leur nom et en le prononçant correctement. Par exemple, ce directeur commercial travaille dans un réseau où il y a 80 nationalités différentes, avec certains prénoms assez complexes d'ailleurs, ou complexes en tout cas inhabituels. Vous est-il déjà arrivé, en tant que salarié, d'être reconnu par quelqu'un qui prononce bien votre prénom, qui vous le dit? On pourra parler d'objectifs commerciaux, on pourra parler de productivité. Commençons par savoir accueillir notre personnel, le reconnaître pour ce qu'il est, à commencer par son prénom. L'écrire de façon correcte, le prononcer de façon correcte en disant « Bonjour Mohamed, bonjour Saka » tous les matins de manière polie, personnalisée et considérée.